thank you sur TV et Radio de Vie. Il est 20h, pratiquement 50h de Paris, heure locale. Et nous sommes bien et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Excusez-nous pour ce retard. Il y avait des frères et soeurs qu'il fallait, euh, n'est-ce pas, recevoir en euh, entretien. Merci pour votre patience. D'ailleurs, la patience n'est-elle pas un des fruits de, fruit de l'esprit Que Dieu soit béni en tout cas pour... Euh, vos prières également. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette soirée. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui nous purifie. Merci pour nos frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Papa, nous voulons te dire merci pour l'amour qu'ils animent, l'amour de la vérité. Et nous prions également pour ceux qui nous persécutent et qui, Seigneur, n'ont pas le choix que de se connecter pour chercher à savoir ce qui se passe et à l'instar des pharisiens. Et nous voulons prier aussi pour qu'ils soient éclairés au nom de Yeshua, notre Père, notre Seigneur. Amen. Voilà, parce que. Il y a de plus en plus de gens, bien sûr, qui ne sont pas d'accord, mais qui se connectent, Donc, malgré, malgré eux. Et euh, c'est aussi la parole qui s'accomplit. Hein. Donc, euh, psaume 23 nous dit, mes amis, que Dieu dresse une table en face de, de nous. Il dresse une table en, devant nous, en face de nos adversaires et loin d'huile notre tête. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, euh, nous avons un frère qui vient d'arriver, euh, ici au 24, Christopher. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quoi de neuf bah euh, quoi de neuf euh, je suis venu bah aujourd'hui mmh. vous rendre un peu parce qu'en en fait je vous suis euh, sur internet d'accord via TV de vie quoi le site internet et puis bah, j'ai reçu beaucoup d'enseignements de votre part donc amen j'ai voulu moi je suis sur Créteil de base donc j'ai voulu euh, bah, j'ai voulu vous rencontrer enfin euh, voir un peu comment ça comment ça se passe ça se passe voilà ici Gloire à dieu Donc va bah, voilà Adogar, sois le bienvenu et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bah, merci. Voilà, Puis donc, de euh, même pour moi. Tu es chez toi. Bah, <laughs> Comme tu veux, si tu veux venir témoigner sur tes vœux de vie, partager la parole, il n'y a pas de problème. Bah, merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Nous avons mmh. jean laure également, bonsoir. bonsoir. Comment vas-tu Bon, ça va bien. Ça fait longtemps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Amen. 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 Tu mets ta tête euh, à couper là. <rire> <rire> ah, au point où nous sommes arrivés. Ah oui, on peut plus faire marche arrière. Tout à fait. Alléluia. Alléluia. <laughs> Et puis à mon frère Oumili également. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Ben, par la grâce de Dieu on tient, sachant que les temps où nous sommes, ce n'est pas facile. Mm -hmm. Selon aussi les prophéties bibliques. mais mm -hmm. ben, quand même par la grâce de Dieu on est là, on tient bon. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc mes amis comme vous le savez ce soir nous, cette semaine nous parlons, nous allons parler sur le retour du Mashiach, le retour du Seigneur Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, et également les événements qui doivent arriver avant ce retour. Hier, nous avons vu que ce retour, le retour de Yeshua aura lieu en deux temps. Premièrement, il viendra pour l'épouse, pour l'Église, pour ceux qui l'attendent, pour leur salut, comme il est dit dans Hébreu chapitre 9, verset 28. Et ensuite, il viendra sur terre, donc, premièrement, il viendra dans les airs pour ravir les chrétiens, pour enlever les chrétiens. Et euh, voilà. Donc et deuxièmement, il reviendra physiquement, visiblement avec les chrétiens, avec l'Église et les anges pour Israël. Voilà. Donc et avant bien sûr son retour visible sur terre avec l'Ecclesia, il doit y avoir bien sûr des événements, plusieurs événements et nous allons essayer d'en parler un peu ce soir. Et euh, voilà, donc rapidement nous allons prendre, euh, comment dire, Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, et euh, nous lirons le verset, à partir du verset 32, Matthieu 24, 32 à 35. « Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier. » Dès que ces jeunes branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, que cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quelle parole Mais la parole de Dieu, tout simplement. Et Yeshua a dit que la parole de Dieu est sa parole, donc il est Dieu, bien évidemment. Voilà. Et, euh, alors, il nous demande, bien sûr, de, de regarder, en fait, au figuier. Voilà, de regarder au figuier, de regarder aux, à, à d'autres arbres, parce que, dans, euh, justement, euh, dans. Et euh, Marc chapitre 13, 28 à, 30, à 30 et 31. Et il est question de plusieurs autres arbres, donc on va, on va rapidement les voir. Dans Marc chapitre 13, Marc 13, voilà. Merci Seigneur, ta parole. Marc 13, 28 à 31. Mais apprenez la leçon tirée de la parabole du figuier. Dès que ces jeunes branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Voilà, donc c'est dans Luc, justement. Luc chapitre 21. Voilà, là, le Seigneur a parlé d'autres arbres. Et euh, Luc. Voilà, 29. Luc 21, 29. Et il leur proposa cette comparaison. Vous voyez le figuier et tous les autres arbres. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Quand ils commencent à pousser, vous connaissez de, 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 de vous-même en regardant que l'été est déjà proche. Voilà. Donc alors nous savons que les écritures nous parlent de plusieurs arbres hein, Donc euh, il y a le figuier qui était qui est une de euh, un de type hein, donc une de un des arbres utilisés pour parler d'Israël. Il y a également euh, la vigne, Yeshua hein, dans Jean 15 disait qu'il était euh, qu'il est la vigne justement. Il y a la vigne, il y a et euh, plein d'autres arbres qui euh, bien sûr sont des arbres prophétiques. Voilà. Et euh, et euh, alors Yeshua nous demande justement d'avoir de regard sur ce figuier. Et bien sûr, il est question ici d'Israël. Voilà. Donc, on ne peut pas parler du retour de Yeshua sans parler d'Israël. C'est impossible. C'est impossible. Donc, nous comprenons par là, par là que Israël est une, est une horloge. Il y en a trois. Et Israël, c'est vraiment l'horloge de Dieu par excellence. Et Dieu nous invite les écritures nous invitent à avoir le regard sur israël, à regarder sur israël. le figuier était, était un arbre, est un arbre, mes amis, qui préfigurait israël dans toutes les écritures. voilà donc et, et euh, on va voir, par exemple, dans le juge rapidement. juge, chapitre... voilà. Donc, merci, seigneur, pour ta parole. on aime beaucoup l'évangile. on aime beaucoup la parole de dieu. Alors, Juge. Voilà, merci Seigneur. Donc, Juge chapitre 9. Voilà, donc, euh, et, euh, Juge chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 8. Les arbres allèrent pour oindre un roi, et ils dirent à l'olivier Règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit: Renoncerai-je à mon huile par laquelle Dieu et les hommes sont honorés pour aller m'agiter sur les arbres? Nous avons ici par exemple l'olivier, donc d'où est tirée l'huile justement qui aussi est une image d'Israël. Voilà, l'olivier, l'huile. Voilà. Donc nous avons et, euh, un deuxième arbre ici et euh, au verset 10, puis les arbres dirent au figuier: Viens toi règne sur nous, mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon bon fruit pour aller m'agiter sur les arbres Donc le figuier, on l'a déjà vu, est douze. Puis les arbres dirent à la vigne, viens-toi et règne sur nous, mais la vigne répondit, renoncerai-je renoncerai à mon vin qui, qui réjouit Dieu et les hommes pour aller m'agiter sur les arbres voilà. Donc, ensuite, il y a les épines, bien sûr. Donc, les épines, les épines représentent, bien sûr, et, euh, les soucis, les choses de ce monde, et, en gros, le monde. Donc, vous voyez déjà ici, nous avons trois arbres prophétiques, n'est-ce pas? L'olivier, la vigne et le figuier qui représentent Israël. Et ces arbres-là sont très prophétiques. Et euh, leurs fruits sont très, très indispensables à, au, au bon fonctionnement de la nation israélite. Le vin, par exemple, le vin réjouit le cœur de Dieu. Le, le vin, c'est l'image de l'Alliance. La, de donc, euh, quand on regarde à Israël, quand on regarde à ses arbres, par exemple, la, la, la vigne, nous voyons automatiquement le, 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 le jus, donc le, le, la, le fruit de la vigne. Donc, le, le, le sang, c'est l'image du sang, donc de l'Alliance. On voit Yeshua quand elle a pris la coupe, hein, donc la, la, le repas du Seigneur, il a pris la coupe de cette coupe en disant aux apôtres là, ça c'est la coupe de l'alliance nouvelle qui est répandue pour vous, le sang est répandu pour vous. Donc, nous comprenons en même temps que Dieu, n'est-ce pas, n'a pas, bien sûr, mes amis, euh, 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 interrompu, brisé son alliance avec Abraham concernant justement Israël. Donc Israël en tant que vigne nous parle aussi de n'est-ce pas de l'alliance avec Dieu. L'alliance abrahamique. Dieu dit, Paul dit dans Romains chapitre 11, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a élu. Ils sont, n'est-ce pas, et euh, comment dire ils sont mis à part par le Seigneur à cause de leur père. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Donc, on ne peut pas parler de la fin de temps sans parler d'Israël. Voilà. C'est deux choses intrinsèquement liées. Et euh, donc, le retour de Yeshua, c'est aussi en même temps euh, 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 le retour de Yeshua physique, a un rapport avec la maturation des fruits du figuier, du fruit de la vigne, du fruit de, de, de l'olivier. N'est-ce pas C'est important. Et quand on parle de l'olivier, on voit l'huile. Donc, parce qu'il y a une alliance entre Dieu et Israël, donc ça c'est la vigne, et Dieu va répandre son esprit sur ce peuple. Et Zacharie 12 le dit, et l'esprit, n'est-ce pas, a un rapport avec l'olivier, l'huile, n'est-ce pas, l'huile d'olive, l'onction, l'huile qui est déversée sur ce peuple. Et nous avons ensuite le figuier, n'est-ce pas, la douceur, l'amour de Dieu n'est-ce pas Alléluia. Et, et le figuier est un arbre, chez les Juifs, par excellence, un arbre qui a un rapport avec la Torah. D'accord Donc là, on voit la parole. Nous voyons le sang, n'est-ce pas Donc euh, ça, c'est la vigne, l'alliance. Nous avons l'olivier, c'est l'huile, donc c'est l'onction, c'est l'autorité, la puissance, le règne, la royauté. Nous avons, bien sûr, le figuier, et là, ben, c'est la Torah. C'est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se renier, Dieu ne peut pas renier sa parole, la parole qu'il a donnée à Abraham, selon laquelle dans Genèse 12, que de lui, Abraham, de lui, de son sein, de ses reins, allait sortir justement une grande nation, plusieurs nations. Donc vous voyez, Yeshua nous demande justement de regarder ces choses. Quand il dit, regardez au figuier, donc il voulait dire, mais regardez à la parole, regardez à Israël, je donnais ma parole à ce peuple. J'ai fait des promesses à ce peuple que je ne peux pas renier. Vous voyez, donc c'est plus profond que ça quand Yeshua dit là-bas vous devez, quand il disait aux apôtres, vous devez regarder au figuier. Pourquoi Parce que les apôtres, dans Matthieu 24, au premier verset, posaient la question au Seigneur, n'est-ce pas Quand est-ce que euh, euh, allait avoir lieu son avènement On peut le lire, voyez Allons voir dans Matthieu chapitre 24. Seigneur, merci pour ta parole. Matthieu 24. Comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit démoli. Puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc, bien sûr, euh, la question du disciple ici était triple. Hein, donc, il y, a, il y a trois questions. Premièrement, quand est-ce que le temple allait être détruit Deuxièmement, quand, quel allait être le signe de, la, de, de son avènement Et troisièmement, le signe de la fin du monde. Alors, Yeshua, bien sûr, va donner quelques. Euh, comment dire euh, Va parler un peu des événements qui vont devoir se réaliser avant son retour. Mais il dit au verset 32, comme on l'a vu, mais apprenons la leçon. Donc, là, c'est important d'apprendre cette leçon-là. C'est important parce que Yeshua veut qu'on tire un enseignement de l'olivier, de, n'est-ce pas, alléluia, de l'olivier, de la vigne et du figuier. Et quand on étudie ces arbres-là, comme je vous l'ai dit, l'olivier, donc je veux, je ne sais pas si l'équipe technique peut nous donner et, euh, un, 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 voilà, un feutre, un, un micro sans fil, bien sûr. Parce que je vais aller rapidement euh, au tableau là-bas, sur le tableau, pour bien expliquer ces choses aux frères et sœurs. Voilà, c'est important de regarder à ces arbres-là, donc, de regarder à Israël. Voilà, les événements qui ont lieu actuellement en Israël, parce que Israël, c'est une horloge. Israël est une... Israël est une horloge que Dieu nous a donnée pour ne pas justement euh, 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 se faire avoir, pour ne pas passer à côté de son avènement. Alors, on peut avoir le retour du côté du micro sans fil. Mes amis, merci, je suis en train de vous embêter. Je, suis ensemble, je vous embête ce soir. Parfait. Merci, Benoît, du côté euh, son. Voilà, heureusement que Benoît est toujours présent. Alors, nous avons euh, les arbres dont il est question dans les écritures. Merci euh, également du côté de nos amis caméramen qui nous aident tout le temps. Donc, nous avons le figuier. Le figuier nous parle de la, la Torah. D'accord? Alléluia. Alors je ne sais pas si chez vous vous voyez bien. Le figuier. Yeshua dit par rapport à son retour que nous devons tirer une leçon, une leçon sur n'est-ce pas? la parabole concernant ces trois arbres-là. Le figuier, l'olivier et, et la vigne. Donc parlons d'abord du figuier. Alors, regardez dans Jean chapitre 1er. Il y a quelque chose de très, très intéressant là. Dans Jean chapitre 1er, nous voulons, mes amis, aller en profondeur de la parole de Dieu. Creuser, creuser pour, n'est-ce pas, se nourrir. Nous sommes dans Jean 1, à partir du verset, n'est-ce pas, 45. Philippe rencontrant Nathanaël et lui dit Nous avons trouvé celui, n'est-ce pas, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus qui est de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth Philippe lui dit Viens et vois. Jésus aperçut Nathanaël venir vers lui. Et il dit de lui Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit D'où me connais-tu Jésus répondit et lui dit Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, pourquoi Qu'est-ce que Philippe, qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier Eh bien, le figuier est l'arbre dont la cime hein, est très dense. C'est-à-dire, quand on est en dessous de cet arbre-là, hein, on, peut, on, peut, on ne peut pas nous voir de loin. Quand on se met sous cet arbre-là de loin, c'est difficile de nous voir parce que sa cime est tellement dense, n'est-ce pas? Et euh, donc, ces feuilles, tout ça. Et les Hébreux ont l'habitude, et notamment à l'époque, avaient l'habitude de méditer sous le figuier, dans le repos, dans la tranquillité, à l'insu de tout le monde. Comme ça, personne ne le voyait. Les étudiants de la Torah aiment, aiment beaucoup, n'est-ce pas, euh, se mettre sous le figuier pour méditer, pour lire la Torah. Selon justement, euh, 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 comment dire, euh, Josué, chapitre 1 verset 8, où Dieu demandait aux Hébreux de méditer ce livre de la loi, matin et soir, pour réussir dans leurs entreprises. Vous voyez Donc le figuier nous parle de la méditation, nous parle de la Torah, nous parle de la loi. La douceur, bien sûr, mais la loi. Donc, donc, Nathanaël était en train de méditer la loi de Dieu. Et en méditant la loi de Dieu, ça c'est juste une parenthèse, eh ben, il découvre Dieu. Quand on médite la parole de Dieu, eh ben, Yeshua se révèle forcément. Et c'est pour cela qu'il a dit J'étais vu quand tu étais sous le figuier, parce que tu étais en train de méditer sur moi justement. Alléluia, parce que c'est de moi dont il est question dans la Torah. Alléluia, gloire à Dieu. Frère, une parenthèse, méditons la parole de Dieu et c'est comme ça qu'on va découvrir le Seigneur. Donc, voyez. Yeshua dit Regardez au figuier. Pourquoi Parce que le, le figuier, c'est la Torah. Et qui, que, qui sont ceux qui ont reçu la Torah Eh bien, ce sont les Hébreux. C'est aux Juifs que Dieu a donné la Torah. Ce n'est pas aux nations. Non. Il a donné la Torah aux Juifs. La Torah, c'est quoi La Torah veut dire l'enseignement, la, la loi de Dieu. D'accord La règle de Dieu. Et. Dans la Torah, justement, parce que quand on parle de la Torah, il est question d'abord des cinq premiers livres, et ensuite, euh, 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 comment dit, la Torah, par extension, représente le Tanakh. Donc, de, les livres de, Gen de, de Genèse à Malachie, d'après nos bibles. Et justement, dans la Torah, il est question de la restauration d'Israël. Et c'est pour cela que Yeshua disait quand vous verrez le, le fuguier. Ces arbres, quand vous verrez les feuilles, les, 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 les branches du fuguier devenir tendres, sachez que le Fils de l'homme est proche. Ah ben, Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là Premièrement, sur le plan spirituel, pour saisir le temps dans lequel nous sommes, il faut méditer la parole de Dieu. C'est ça que le Yeshua voulait dire d'abord. Ensuite, sur le plan physique, il faut regarder à Israël, qui est une horloge. D'accord Qui est une horloge. Donc, et, 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 et depuis le 14 mai 1948, le 14 mai 1948, cet arbre-là, Israël, a commencé à avoir. Les branches de cet arbre-là ont commencé à devenir tendres. Et c'est là justement qu'officiellement. Israël est devenu un État à part entière. D'accord Donc ça, on le sait d'après l'histoire. Et, euh, et en moins, en moins d'une un, journée, hein, en, moins, en moins de 24 heures, les nations ont, n'est-ce pas, reconnu que cette nation était désormais un État à part entière. Voilà, un foyer, n'est-ce pas, officiel où les Hébreux du monde entier pouvaient, n'est-ce pas, se réfugier. Alors, donc on voit bien que depuis le 14 mai, depuis mes amis 48, cet arbre-là ne cesse de pousser de branches, de devenir tendre. C'est impressionnant, c'est important que les chrétiens comprennent ces choses-là, qu'on nous enseigne là-dessus. C'est important. Et euh, Donc, on voit l'accomplissement de la parole. Et dans Ésaïe dans chapitre 66, au verset 7, Dieu disait, au 8e siècle avant Jésus-Christ, il parlait par la bouche du prophète Ésaïe en disant, une nation peut-elle être enfantée en un jour n'est-ce pas? Et voilà que, effectivement, en un jour, cette nation est née. Le figuier a poussé ses, arbres, ses branches. Et mes amis, c'est un signe, mes amis, clair, un signe. Même si les francs-maçons étaient derrière, mais mes amis, ils sont poussés par la main invisible de notre Dieu pour exécuter ses plans. À leur insu, c'est ça la parole de Dieu. Dieu est souverain. Alléluia. Donc, voyez bien mes amis, et regardez, et euh, le deuxième arbre, parce qu'il est question de plusieurs, de trois arbres. Hein, donc, euh, le Seigneur a dit, il faut, faut regarder aux arbres, n'est-ce pas? Dans Luc là-bas, on l'a vu. Et nous avons et, euh, la vigne. Regardez dans Esaïe chapitre 5, Dieu dit que Israël est sa vigne. N'est-ce pas? Sa vigne. Donc, voyez bien que la vigne, c'est toujours, c'est Israël. Et, quand on voit on parle de la vigne comme je vous ai dit on voit le vin et le vin égale le sang le sang égale l'alliance Alléluia l'alliance alors quand on va dans Jérémie chapitre 30 Dieu dit dans Jérémie là-bas je traiterai une alliance nouvelle avec Israël Donc la nouvelle alliance a d'abord été conclue avec Israël et non avec l'Église. Ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, ne savent pas. Dieu disait, nous sommes dans Jérémie, mes amis. Allons voir la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 30. Voilà, c'est ça, Jérémie. Et euh, merci Sagin pour ta, ta parole. Ouais, Jérémie 31, pour verset 27, pardon. Est-ce que quelqu'un peut le lire là Jérémie 30, 31, c'est quelqu'un peut déjà quelqu'un qui a trouvé Jean-Laure Oui. Je peux. merci. 31, 27, voilà. 27, Voici les jours viennent, dit Yahweh, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Et il arrivera que, comme j'ai veillé sur eux pour arracher et démolir, pour détruire, pour perdre et pour faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit Yahweh. Verset 31 Voici les jours viennent, dit Yahweh, où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non comme, comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont violée alors que j'avais été pour eux un mari, dit Yahweh. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit Yahweh, je mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà, Dieu dit, je ferai avec, je traiterai avec la maison d'Israël. D'accord, une alliance nouvelle. Donc l'alliance nouvelle, la croix, a d'abord été prévue pour Israël. Ensuite, Israël devait maintenant, n'est-ce pas? Évangéliser les nations. C'est pour cela, quand la femme syrophénicienne, dans les évangiles, est allée voir Yeshua pour lui demander de guérir sa fille qui était possédée, Yeshua dira Il n'est pas permis de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. D'accord Et il dit Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. C'était ça sa mission première d'abord apporter l'évangile aux juifs, afin qu'à leur tour, les juifs apportent l'évangile aux nations. Et parce que beaucoup, parce qu'Israël n'a pas reçu l'évangile de Yeshua, une partie seulement, le reste, eh bien, Yeshua s'est tourné vers les nations en disant, en disant allez, aux apôtres, allez hein, vers, sur toutes les, tous les carrefours et prenez toutes les personnes, les handicapés, les aveugles, tout ça, pour qu'ils rentrent dans ma, dans ma maison, dans ma, voilà, où il y a les noces. voyez? Donc vous voyez que Yeshua dit, regardez à la vigne par rapport à mon retour. Et la vigne, c'est l'alliance. Vous savez que la, la, la Dieu ramène les Hébreux dans leur pays parce qu'il y a une alliance. Il a d'abord fait une alliance avec Abraham. Ce qui la vigne, nous parle du sang, nous parle nous parle du vin, nous parle de l'alliance. Regardez Melchizedek dans Genèse 14. Il a apporté quoi à Abraham Il a apporté du vin et du pain. Vous voyez Abraham a pris ce, ce, ce pain et ce vin. C'est l'image de la nouvelle alliance. Yeshua, quand il va, il va venir, il va prendre ce même pain et ce même vin qu'il va donner aux apôtres. Donc le Père de la foi, Abraham, a goûté à cette, à cette alliance. Alléluia. C'est pour cela, mes amis, Dieu, Yeshua dit, regardez à la vigne par rapport à mon retour. C'est-à-dire, regardez à mon alliance. Dieu est le Dieu des alliances. Il ne peut pas, mes amis, renier son alliance. Quand il fait une alliance avec quelqu'un, Dieu l'honore jusqu'au bout. Alléluia. C'est un contrat. Une alliance, c'est un contrat. C'est un pacte dans, dans lequel Dieu s'engage. Dieu engage sa parole, sa responsabilité. Et ça, c'est magnifique. Donc, mes amis, Israël rentre au bercaï, les juifs du monde entier, parce qu'il y a une alliance. Avec d'abord leur père, Abraham, leur père biologique. Il y a une alliance. Et dans Romains 11, Dieu dit qu'il n'a pas, Paul dit qu que Dieu n'a pas rejeté son peuple. N'est-ce pas Parce qu'il a traité une alliance avec leur père. Ouh, c'est magnifique. Et troisièmement, nous avons, mes amis, euh, l'olivier. L'olivier. Et Yeshua disait que la vigne, hein, on l'a vu dans Jean 15, hein. l'olivier nous parle bien sûr de, euh, de l'huile. Pardon, de l'huile. Pourquoi l'huile Eh bien, regardez bien. Yeshua reviendra sur la montagne des oliviers. Vous voyez, frères et sœurs Alléluia. Il reviendra, nous dit la parole, sur la montagne des oliviers. Il est monté au ciel à partir de la montagne des oliviers, selon Acte 1. Et les anges ont dit aux apôtres, il reviendra de la même manière, c'est-à-dire sur la même montagne. Donc c'est pour cela qu'il faut regarder l'olivier. C'est important. <laughs> Alléluia. Et regardez bien, dans Zacharie 14, il est dit que les pieds de Yahweh vont se poser sur la montagne des oliviers. Et c'est pour cela l'olivier, c'est important de le comprendre, cet ce arbre-là. L'olivier nous parle de l'onction. L'olivier nous parle de l'huile. L'huile, c'est quoi L'onction de Dieu. Allons allons lire rapidement les Écritures, mes amis, parce que je vois que vous aimez la parole, n'est-ce pas Que vous aimez la parole. Alléluia. Dieu, j'espère que Dieu nous éclaire en tout cas ce soir. Mes amis, nous sommes dans Zacharie 14. Voilà. Verset 1er premier, au verset, verset, premier, verset 4. Voici, le jour de Yahweh arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations à Jérusalem pour qu'elles lui fassent la guerre. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Yahweh sortira et il combattra contre ces nations comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem du côté de l'orient et de la montagne. Et la montagne des oliviers se fendra par le milieu, à l'orient et à l'occident, de sorte qu'il y aura une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera, reculera vers le nord et l'autre moitié vers le midi. Voilà, donc on nous dit que les pieds de Yahweh vont se poser sur la montagne des oliviers. D'accord Et les apôtres ont dit également euh, euh, dans, dans, dans Acte 1, les anges ont dit aux apôtres que Yeshua allait revenir sur la même montagne. Donc l'olivier nous parle de l'huile. Regardez Zacharie 14, 12 justement. Il nous parle de l'onction. Zacharie chapitre 12, au verset 10, et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et ils le regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà. Et au verset, au chapitre 13, et en ce jour-là, il y aura une source ouverte en faveur de la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour la suyure. Voilà. Donc, vous voyez bien que Dieu promet de répandre son esprit sur Israël. Alléluia. Et ça, c'est magnifique. Donc, vous voyez bien qu'il va y avoir une fusion de l'esprit en Israël qui va provoquer la conversion nationale des Juifs qui attendront le Mashiach lors de son retour. Donc, vous voyez bien, mes amis, que la parole de Dieu s'accomplit. Et quand on regarde bien, regardez bien les trois arbres là. C'est très prophétique comme on l'a vu. Regardez bien, il y a une suite logique. Hein. Donc, l'Olivier vient, vient à la dernière position. Pourquoi Parce que l'Olivier nous parle de la conversion nationale. D'Israël, lorsque Dieu va répondre son esprit. Et la vigne vient à la première position. Donc je l'ai mis dans la deuxième position, mais elle est à la première position. Pourquoi Parce que c'est l'alliance. Dieu a conclu une alliance avec Abraham avant que la Torah ne soit révélée. D'accord Donc il y a d'abord la vigne l'alliance a été conclue avec Abraham donc Genèse 14, notamment. Il a eu le pain et le vin. De Melchizedek. Dans Genèse 15, Dieu fait une alliance également avec lui en lui disant que ta postérité sera grande, n'est-ce pas Aussi grande que les étoiles du ciel, que la mer, le, le, le sable de la mer. Et il y a eu une alliance avec Abraham. Ensuite, cette alliance a été confirmée lors de la, n'est-ce pas, réception de la Torah. Donc, le figuier, le, 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 le figuier. D'accord Le figuier, la Torah, la méditation. Josué dit que ce livre de la loi ne se lève pas de ta bouche, médite-le, voilà, nuit et jour, afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc nous avons la vigne, nous avons la Torah, donc la vigne, le vin, l'alliance, la Torah, n'est-ce pas, où l'alliance est renouvelée encore, et nous avons, à la dernière position, l'onction, donc euh, l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Et Yeshua dit, justement, regardez à ces arbres, quand vous allez voir ces arbres fle fleurir, c'est littéralement, eh bien, quand vous allez commencer à voir, n'est-ce pas? Eh, eh, si vous voyez que Israël redevient un État, eh bien, faites attention. Parce que dans Osée, là-bas, Dieu disait aux enfants d'Israël Regardez, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique, frères et sœurs. Dieu est magnifique. Alléluia. J'espère que Dieu nous enseigne ce soir. Et. Euh, je crois que c'est dans Amos. Voilà. Merci Seigneur pour, pour ta parole. Il nous enseigne, il ne cesse de nous enseigner matin, midi, soir. Et euh, voilà. Donc, euh, Amos chapitre 9, verset. Et euh, 13 et à 15. Christopher, est-ce que tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît Amos, combien 9, 13 à 15. 9, 13 à 15, ok. Voici, les jours viennent, dit Yahweh, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule les raisins atteindra celui qui répand la semence. Et le mou ruissellera des montagnes et descendra de toutes les collines et je ramènerai ceux de mon peuple d'Israël qui auront été emmenés captifs et ils rebâtiront les villes les villes dévastées et ils habiteront ils planteront des vignes et ils boiront le vin ils feront aussi des jardins et ils mangeront les fruits je les planterai sur leur terre et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit Yahweh, ton Dieu. Je les, je les planterai dans, hein, sur leur terre, dans leur terre, et ils ne seront plus arrachés. Et le 14 mai 48, Dieu les a plantés sur leur terre. Tels des arbres. Plantés. Vous voyez, c'est terrible. Et Dieu dit, personne ne va les déraciner. Et regardez, mes amis, regardez, dans Osée chapitre 3, il y a quelque chose de très fort ici. Au verset 4. Car les enfants d'Israël demeureront plusieurs jours sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphode et sans terrafume. Et, euh, et là, c'est terrible. Dieu a prophétisé ici par le prophète, n'est-ce pas, Amos? Par le prophète Amos, Et, euh, et euh, comment dire, que Israël allait rester hein, sans roi pendant longtemps, au 8e siècle ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mes amis, c'est exactement ce qui s'est passé. Et euh, d'abord en l'an en, en, en 70 après Jésus-Christ, lorsque le temple va être détruit par Titus, n'est-ce pas, à l'époque il était général. Son père Vespasien l'avait envoyé pour, n'est-ce pas, détruire Jérusalem, pour mater la rébellion. Titus arrive à, 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 à Jérusalem et la ville va être, le temple va être incendié. Et... Euh, Ensuite, au début du deuxième siècle, il y a eu la guerre, n'est-ce pas, avec Bar Kokba, un, un, un illuminé juif, qui avait pris la tête de la rébellion hein, contre Adrien, n'est-ce pas, contre l'empereur romain Adrien. Et euh, Bar Kokba va mener cette lutte contre les Romains hein, au début du, du deuxième siècle. Et Adrien, l'empereur romain, va mater cette rébellion et euh, euh, Jérusalem va être rasée complètement. Le temple est encore bien rasé, la ville est rasée, et Jérusalem va être, n'est-ce pas, rebaptisée Capitolina Aelia, n'est-ce pas, la ville de Jupiter. C'est terrible, la ville du grand roi. Jérusalem était devenue la ville d'un démon, de dieu Jupiter. Alors, et à partir de, 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 du début du deuxième siècle, après Jésus-Christ, Jérusalem n'était plus appelée Jérusalem. Voilà, la ville du, de Jupiter. Et les Hébreux se sont retrouvés dans le monde entier, sans temple, comme Osée l'a prédit, prophétisé, sans roi, sans temple, sans sacrifice, sans effort, plus rien. Et ils avaient quoi, là où ils étaient dans ces nations-là Eh bien, qu'est-ce qu'ils avaient Ils avaient juste la Torah. Juste la Torah et les promesses faites à Abraham. C'est tout. Et mes amis, et, et, et c'est terrible parce que... Ce peuple se retrouvait dans le monde entier sans rien. Et dans Ézéchiel 37, vous savez, la vision de la vallée d'ossements desséchés. Il est question d'Israël ici. Et Dieu dira à la fin, Fils de l'homme, ces ossements représentent la maison d'Israël. Car les Juifs disent que notre espoir est détruit, nous sommes perdus. Et Dieu dit, J'ouvrirai vos tombes, ô oh mon peuple, et je vous ferai monter. Or. Oh de vos sépulcres, de vos tombes. Alors, pourquoi le verbe monter en hébreu Je vous ferai monter. D'autres versions disent, je vous ferai sortir. Mais en fait, littéralement, je vous ferai monter hors. Parce qu'on monte vers Jérusalem. C'est la ville qui est au-dessus de toutes les villes. Voyez La ville du grand roi, Yeshua l'a dit. Donc, elle est au-dessus. C'est pour cela qu'on nous parle de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. D'auprès de Dieu. C'est la seule ville, il y en a deux dans la Bible. La Babylone, la ville terrestre, la ville mondaine, toutes les nations du monde représentent Babylone. Et à la Jérusalem, la ville de Dieu et des saints. Alors, on monte vers le ciel, on monte vers Dieu. Voilà pourquoi Dieu utilise le verbe monter. Je vous ferai monter. Parce que le peuple d'Israël allait se retrouver, et c'est le cas, n'est-ce pas, à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ, avec le, la guerre d'Adrien, l'empereur romain, et Bar Kokba, les juifs qui menaient cette rébellion contre les, les Romains. Après cette défaite juive, eh bien, les, les Hébreux se sont retrouvés dans le monde entier, dans toutes les nations, déjà en l'an 70 avec Titus qui avait détruit le temple. Et ils se sont retrouvés dans toutes les nations. Et qu'est-ce qui va se passer Ces nations étaient devenues comme des tombeaux pour les Juifs, comme des tombes, des sépulcres. Vous voyez Donc ils étaient descendus dans Babylone. Voilà comment Dieu dira, je vous ferai monter. Hors de vos sépulcres, parce que c'est là dans ces, dans ces, ces nations-là, ben les Juifs meurent, parce qu'ils s'adaptent à ces nations et commencent à prier les dieux des nations. D'où la Trinité, une dé, euh, doctrine démoniaque. Si vous dites à un Juif orthodoxe que Dieu est trois à un, il va vous lapider. C'est une insulte, parce que le Dieu de Moïse est un. Alléluia. Donc voyez, Dieu dit, je vous ferai sortir de vos tombeaux, je vous ferai je vous ferai monter de vos sépulcres et je vous amènerai dans le pays d'Israël. Et je vous planterai là-bas et personne ne vous sortira de là. Et c'est exactement mes amis ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes nous avons vu depuis le 14 mai 48, nous voyons l'accomplissement de la prophétie biblique qui s'est accélérée à une vitesse incroyable. Et regardez le monde en même temps, il y a eu une accélération également de l'accomplissement des prophéties relatives aux guerres aux famines, aux troubles, aux maladies incurables, telles que le cancer, le sida, tout ça. On voit ces choses s'accélérer actuellement, mais c'est impressionnant. Où la loi de Dieu est bafouée, remplacée par des lois impies, autorisant le péché, toutes sortes de choses, comme vous le voyez sous vos yeux, hein, aux écrans, aux informations. Voilà le monde dans lequel nous sommes. C'est impressionnant. Et qu'est-ce qui se passe à votre avis, frères et sœurs, vous qui nous suivez ce soir, vous qui aimez la vérité Eh bien, beaucoup des juifs montent. Parce que le mot, le verbe, le mot alia, ils font leur alia. Le mot alia signifie littéralement monter. Alléluia. Ah, on peut acclamer le Seigneur, mes amis, pour sa parole, c'est magnifique. Hein, pour, pour la parole, pas moi, mais la parole de Dieu, parce que c'est magnifique. Elle s'accomplit sous nos yeux. Donc vous voyez, même les journalistes pa, euh, euh, païens hein, de ce monde disent de plus en plus que les juifs font leur alia. Le mot alia signifie simplement monter. Parce que Dieu disait justement et dans Ézéchiel 37, je vous ferai monter hors de vos sépulcres, c'est-à-dire hors des nations où vous êtes, n'est-ce pas, euh, en train de mourir, pour en, en train d'adorer d'autres dieux. Je vous ferai monter et je vous ramènerai en Israël. Et vous avez vu dans les informations beaucoup de Juifs français. Quitte la France pour repartir en Israël. Il y a une montée incroyable de l'antisémitisme, l'antisémitisme, antisé, euh, la, la judéophobie précisément parce que l'antisémitisme c'est l'antipathie envers les descendants de Sem. Or les Arabes sont aussi les descendants de Sem, de Sem pardon. Il faut le savoir. Donc un antisémite est quelqu'un est une personne qui n'aime pas euh, qui n'aime pas les descendants de Sem, qui sont bien sûr les Arabes et les Juifs, les Hébreux. Ça c'est quelque chose de très important à souligner. Donc un antisémite, c'est quelqu'un qui n'aime pas les, les juifs ni, ni les arabes. Donc euh, la judéophobie, par contre, c'est de l'antipathie, de la haine, hein, de, de, le rejet de la foi juive, la foi d'Abraham. D'accord La judéophobie. Voilà. Donc, euh, et frères euh, et sœurs, et, soeurs, et euh, voilà, donc on voit les juifs, on voit d'abord cette, cette judéophobie. Qui prend de l'ampleur dans les nations, l'antisémitisme, tout ça, prend de l'ampleur dans les nations. Et ce qui va se passer, c'est quoi C'est que ce qui se passe, c'est que des Juifs quittent justement l'Europe, la France, la Belgique, l'Allemagne, tout ça, la Russie, l'Amérique latine, pour rentrer, n'est-ce pas, pour faire leur montée, pour faire leur allia, pour rentrer en Israël. Pourquoi à votre avis Parce que pour attendre le Messie, mais plus encore. Donc, en fait, c'est pour la Troisième Guerre mondiale, l'Armageddon. Parce que rappelez-vous bien, on en parlera certainement demain. Les Juifs vont de nouveau, pendant la Troisième Guerre mondiale, l'Armageddon, ils vont de nouveau quitter Israël, beaucoup, hein, donc pour repartir dans les nations. Car Yeshua dira que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. On en parlera demain. Alléluia, gloire à Dieu. Donc vous voyez, ils sont en train de faire leur alia pour atteindre le Mashiach, mais en fait, bibliquement parlant, c'est pour la guerre d'Armageddon. Parce que les nations vont encercler Israël. C'est déjà le cas. On en parlera demain. Donc, voyez, frères et sœurs, c'est terrible. Donc, on voit ces arbres-là fleurir. Israël qui devient de plus en plus une nation avec beaucoup de juifs en son sein. Alléluia. Et on voit effectivement l'accomplissement de Genèse 15 où Dieu disait à Abraham Tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Or, les étoiles, nous dit 1 Corinthiens 15. Diffèrent en éclat les unes avec les autres. Concrètement, qu'est-ce que Dieu voulait dire par là Il voulait dire que, eh bien, Abraham, parmi tes descendants, il y aura des noirs, il y aura des blancs, il y aura des jaunes, il y aura des arabes, il y aura de tout. Et c'est exactement ce qui se passe quand vous allez en Israël. Vous avez des juifs d'origine africaine, éthiopiens, aussi noirs que moi, que, que, que vous. Vous avez des juifs blancs, vous avez des juifs euh, asiatiques. Indiens, vous avez des juifs de toutes les nationalités. Eh bien, la prophétie biblique s'accomplit parce que Dieu veut sauver les nations, mes amis. C'est ça, c'est magnifique. Donc, vous voyez, tous ces gens-là se réclament de l'alliance abrahamique. Donc, vous voyez bien que ces arbres sont en train de fleurir sous vos yeux. Et regardez, mes amis, on, on ne peut pas, pas aujourd'hui suivre les informations sans qu'il y ait, ne serait-ce qu'un petit reportage, un petit article sur Israël, qui est une horloge. Voyez, la guerre qui a entre Israël et certaines nations. Donc, c'est l'accomplissement de la prophétie biblique. C'est le temps. On y est, mes amis. Là. On y est. Il est de plus loin. Tous les ingrédients sont là. Voilà. Tout est là, mes amis. Donc, voyez bien que, mes amis, on doit vraiment avoir le regard là-dessus là, pour, pour tirer la leçon de, n'est-ce pas, la parabole de ces arbres-là. Alléluia! Donc, le troisième temple est en train d'être... Vous euh, voyez, tous les, ils ont tout, pratiquement tous les ustensiles, tous les objets du, temps, du temple, tout, sauf l'arche. Mais sinon, ils ont tout pour reconstruire le troisième temple. Donc, on y est là. Je suis allé en Israël j'ai vu sur place l'engouement qu'il y a. C'est impressionnant, mes amis. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. On voit ces choses se réaliser. Ils, ont, ils sont en train de retrouver et euh, les, 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 de, de retrouver, de, 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 de constituer hein, le corps, le le corps, le corps lévitique d'accord les cohen les Coïtes, les sacrificateurs ils sont en train de le retrouver de plus en plus pour préparer justement ces hommes au service de de, 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 de au culte Vous voyez frères et sœurs c'est sous nos yeux c'est sous nos yeux on voit ces choses se mettre en place. Donc, ces arbres ont fleuri. Et alors, malheureusement, Satan, eh bien, au lieu, Satan, eh qu'est-ce qu'il fait eh bien, Il aveugle des pasteurs, des prédicateurs. Il les amène, il, il les pousse à parler de l'argent matin, midi, soir. Donnez la dîme, vous serez bénis, vous aurez des grosses voitures, vous aurez des belles maisons, vous aurez ci, vous aurez ça, tout ça. Venez chrétiens, courez après les pasteurs pour être guéris, pour être milliardaires, tout ça. Mes amis, euh, voilà, nous allons régner nous-mêmes sur terre, tout ça, le the kingdom now, le royaume maintenant. Il s'attend à envoyer ses propres émissaires, pourquoi Pour pousser les chrétiens à être dans des fédérations, des pasteurs qui sont corrompus, qui sont voleurs, impudiques, tout ça et qui travaillent plus pour l'argent, qui sont là, qui se prennent pour des présidents, des pasteurs, qui contrôlent d'autres pasteurs. C'est la chair, ce sont des pharisiens modernes. Ils ont remis en place le pharisaïsme. Et je vous assure, cette semaine, on en parlera aussi. Alléluia. On en parlera, frères et sœurs, ça fait partie des signes qui précèdent le retour de Yeshua, l'église apostate. On va en parler cette semaine. Demain, on est là, jeudi, on est là, mes amis, pour développer ces choses, afin que vous ayez les, les, les yeux ouverts au nom de Yeshua. Vous voyez, c'est impressionnant. Donc, au lieu que les églises se préparent pour le retour de Machiavelli, hein, Pris de plus en plus parce que les arbres bibliques qui sont en train de fleurir. Eh bien, ces églises, mes amis, tombent dans la distraction. -ce pas qui c'est qui a plus d'onction, qui a plus de, de service, qui est plus puissant dans l'onction, dans la parole, tout ça C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Une église complètement paganisée, complètement catholicisée, n'est-ce pas Et, euh, Jésabélisée, n'est-ce pas Babylonisée, complètement euh, euh, ancrée dans la doctrine de l'église romaine, avec notamment la Trinité, toutes ces choses qu'on qu nous a inculquées depuis notre enfance. Mes amis, c'est impressionnant. Et, euh, et à côté, bah, Israël, euh, euh, ces arbres fleurissent et très peu de chrétiens le voient parce qu'ils sont antisémites n'est-ce pas, parce qu'ils sont judéophobes, parce qu'on nous a inculqué dans notre christianisme, dans le christianisme, mes amis, euh, euh, actuel, même, depuis que le christianisme est né, hein, depuis, depuis l'église romaine, hein. donc je ne parle pas de l'église de Yeshua, mais du christianisme, cette religion complètement paganisée, et, et, ce, ce christianisme qui a été, mes amis, euh, comment dire, développé, bâti sur, sur euh, la judéophobie, sur l'antisémitisme, tout ça, et, euh, et, et ce, ce christianisme rejette Totalement, mes amis, euh, euh, Israël. Et c'est pour cela que nous avons des, des enseignants dans nos assemblées qui disent que euh, Israël a été remplacé par l'Église, que l'Église a remplacé Israël, et on attribue toutes les prophéties relatives à Israël à l'Église. Et ça, c'est une insulte. C'est du, du n'importe quoi. C'est de la judéophobie, c'est du racisme, mes amis. C'est l'esprit d'antichrist, justement. Voilà. Dieu, nous dit un Corinthiens, dans Romain 11, Dieu dit. Qui n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Car le libérateur viendra de Sion. voyez Voilà, donc c'est quand même impressionnant, mes amis. Ils sont tombés dans l'endurcissement parce qu'il faut que la totalité des chrétiens soient sauvés hein? des païens qui sont destinés au salut soient euh, entrés dans le royaume, selon Romain 11. Mais Dieu n'a pas, pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Alors, si vous voulez appeler pour poser des questions, allez-y, il n'y a pas de souci, au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Et on va essayer de répondre à vos questions avec la parole à l'appui. Au nom de Yeshua, ces arbres sont là. Voilà. Donc, euh, et, euh, et lorsque vous verrez ces arbres fleurir, justement, lorsque vous verrez que ces, 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 ces branches deviennent tendres. Eh bien, sachez que, et euh, justement, le Fils de l'homme n'est plus loin, parce que toutes les conditions sont presque réunies pour qu'il revienne dans son pays, Yeshua homme, et mettre de l'ordre. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, euh, c'est magnifique. Dieu nous enseigne sa parole. Voilà. Donc, euh, Israël est une horloge, mes amis, et Dieu est le Dieu de temps. Voilà. Donc, euh, Dieu a. Une horloge, et, euh, et il, nous veut, il, il veut que nous soyons prudents, que nous soyons, mes amis, suffisamment enseignés. Parce qu'il a dit lui-même, il a dit, mes amis, il a dit, n'est-ce hein, pas, dans Zacharie 12, qu'il allait faire de Jérusalem une, une pierre pesante pour toutes les nations, n'est-ce pas Qu'il allait faire de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour les nations d'alentour. Voilà. Donc, on le voit, ces choses s'accomplissent aujourd'hui. Donc, nous devons vraiment nous préparer, frères et sœurs, parce qu'il y a le choix de ne plus loin. Donc l'heure n'est vraiment pas à la distraction. L'heure n'est vraiment pas, mes amis, à, à courir après les hommes, à chercher la protection des hommes, à chercher une couverture, je ne sais pas quoi, une spirituelle, euh, pour être euh, protégé, je ne sais pas de quoi ou de qui et, euh, auprès des hommes. Nous devons véritablement, mes amis, chercher le Seigneur et préparer nos enfants, préparer nos femmes, préparer vos maris également pour euh, le retour du Mashiach, hein, frères et sœurs. Et prier également pour la paix d'Israël, prier également pour la paix de la Palestine, pour prier pour, mes amis, pour la paix des descendants de de Sem les juifs, les, les hébreux et les arabes. Et voilà, pour lequel nous prions au nom de Yeshua ce soir. Voilà, nous devons être reconnaissants envers les hébreux, envers les juifs, parce que ils ont reçu la Torah et c'est grâce à, à cette nation que nous avons reçu la Torah. Le Seigneur est passé par elle, bien sûr, attention. Et, euh, mais nous devons, comme Paul le disait, nous devons nous sentir, nous devons nous, comment dire, être assez humbles parce que ce n'est pas nous qui portons, n'est-ce pas, euh, l'arbre, mais c'est l'arbre qui nous porte, donc Yeshua. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'Yéchoua, homme, et d'origine juive. Pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Voilà. Parce que quand on voit ces deux généalogies, eh ben, on retrouve, bien sûr, euh, les Juifs, beaucoup, beaucoup de Juifs. Il y a aussi des étrangers, bien sûr, comme Rahab, hein, une prostituée d'origine cananéenne. Il y a aussi Moab, n'est-ce pas, qui était d'origine moabite. Et euh, comment, pardon, euh, Ruth et, euh, Voilà. Mais euh, Yeshua, mes amis, veut sauver les nations. Allo bonsoir. allô bonsoir. allô Allô bonsoir. Ça marche pas. Donc euh, décidément, euh, le standard pose 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 problème. Voilà. J'ai écrit un livre, justement, sur ces trois, trois, ça m'a fait écrire un livre sur ces trois arbres, donc les fruits de l'esprit, justement. Donc, euh, ceux qui peuvent, euh, qui veulent se procurer ce livre, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur TV de vie, vous cliquez sur l'onglet euh, ressources, et ensuite vous avez tout, tous ces livres que vous pouvez télécharger, bien sûr, à votre guise. Hein, donc, il n'y a pas de souci, c'est gratuit, tout est gratuit. Voilà. Donc vous avez toutes les informations sur ces trois arbres avec euh, leur signification prophétique. Voilà mes amis, c'est important d'avoir les yeux sur euh, Israël par rapport à ce qui se passe, de suivre les informations sur ce qui se passe dans cette nation, parce que Jérusalem sera bientôt la capitale du gouvernement messianique, hein, du royaume messianique. Il enfin, ne faut, faut pas l'oublier. Donc euh, pendant mille ans, Jérusalem sera la capitale mondiale. Et regardez bien, actuellement, c'est le centre presque de la Terre, hein? hein? c'est le centre de la Terre. Donc, euh, et, euh, voilà. donc, allô, bonsoir. Est-ce que vous savez que quand un enfant est né à, à, à Jérusalem, on ne mentionne pas qu'il est né à Jérusalem hein? Est-ce que tu savais ça Tu savais Parce que tu comptes aussi beaucoup de beaucoup de Juifs. Donc, euh, c'est bien que Dieu soit béni. Donc, tu savais que Dieu soit béni. Donc, quand un enfant, pour votre information, est né... Est-ce que tu savais, Christophe Quand un enfant est né à Jérusalem, on ne mentionne pas qu'il est né à Jérusalem. Voilà. Donc, euh, pourquoi Parce que c'est une capitale qui est, n'est-ce pas, est disputée par trois religions monothéistes. Donc, euh, le christianisme, l'islam et le euh, judaïsme. Voilà. Donc, euh, vous voyez bien que, quand même qu'il y a un intérêt assez d'un intérêt très très important, très général, et, et, et chacun veut avoir son bout de terre, pourquoi Parce que ben justement c'est là que les choses se passent, voilà, c'est là que les choses se passent, j'ai eu la grâce d'y aller, il y a non en pèlerinage comme beaucoup le font malheureusement, ils existe de Israël et ça c'est n'importe quoi, et euh, ça, c'est dommage d'ailleurs parce qu'on doit vraiment adorer le seul véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Israël, qui est contre justement euh, l'idolâtrie. Et d'ailleurs, un de, un de commandements, c'est ça. Hein, donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai eu à la grâce d'y aller. Et pu, euh, ça m'a fait du bien de passer une semaine là-bas, en tout cas à Jérusalem, et euh, à Tel Aviv notamment. Et je suis allé juste à, à une matinée à Jérusalem et j'ai pu visiter quelques sites historiques, tout ça. Et, et euh, voilà. Donc, c'est bien, c'est bien. Ça fait ça change. Allô, bonsoir ah, On a décidément un problème avec le standard. Ouais, on vous entend, mais très, très bas. Ah, C'est vraiment dommage, hein, parce que... Allô ah très très le son n'est pas le son n'est pas ne pas pas bon bah, tant pis on va essayer de régler, régler ça pour, pour demain on va faire les tests hein. les amis vont pouvoir nous aider voilà mes amis nous savons que vous aimez beaucoup le Seigneur que vous aimez beaucoup la parole la vérité donc je sais pas si vous avez des choses à partager des choses à dire des questions non ouais euh, par, par alors la, la, la nouvelle alliance oui D'accord. Voilà, et que, euh, et que, euh, que la première alliance, euh, était, euh, Israël, mm -hmm. n'existait plus. D'accord. Euh, en fait, la première alliance, l'alliance mosaïque, a été accomplie. Voilà. Et euh, donc, la nouvelle alliance a, a, a été d'abord traitée avec Israël, effectivement. Fait, voilà. Donc, du coup, on n'a pas à se, se glorifier euh, aux dépens de, euh, des juifs d'Israël, parce que cette alliance a d'abord été conclue avec eux. Voilà. Et la première église, il faut toujours le mentionner, le signaler, le souligner, la première église, c'est-à-dire dans Acte chapitre 2, quand l'église est née, elle était essentiellement juive. Les 120 galiléens avec lesquels l'église est née n'étaient pas d'origine africaine, nantillaise, européenne, elles étaient ces personnes totalement juives, d'origine galiléenne, donc israélites. Alléluia. Donc ça veut dire que ce, ce, ce sont ces 120-là qui nous ont engendrés. Donc euh, celui qui n'aime pas Israël, qui n'aime pas les juifs et qui se dit chrétien, il n'a pas compris. Parce qu'on ne peut pas se réclamer, euh, dire une chose à son contraire. Donc les 120 Galiléens d'origine juive ont donné naissance à tous ces chrétiens que nous connaissons jusqu'à l'enlèvement de l'Église. N'est-ce pas C'est par ces hommes et ces femmes que l'Évangile est arrivé jusqu'à nous. Donc euh, voilà. Donc du coup, euh, nous devons être reconnaissants envers le Seigneur premièrement et envers ces, 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 cette nation, euh, voilà, qui nous a vu, qui nous a vu naître, qui nous a engendré, nous l'Église. Donc nous devons beaucoup prier pour, pour cette nation et, 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 et surtout ne pas être raciste, antisémite, euh, judéophobes et, et prier pour euh, les descendants d'Abraham, de Sem, les Arabes et les Juifs. C'est important. Il faut aimer tout le monde et aimer aussi, euh, aimer tout le monde et aimer ces deux peuples parce que, euh, voilà, gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il y a aussi beaucoup d'arabes euh, d'origine musulmane qui sont touchés, qui se convertissent. C'est impressionnant. C'est des millions de conversions hein, chez les arabes euh, d'origine musulmane dans le monde entier et on en parle très peu. Et donc Dieu visite son peuple, donc Dieu visite, ses... voilà, c'est impressionnant. Il y avait une prophétie qui avait été donnée sur Ismaël, donc les descendants d'Ismaël, Dieu les touche également. Que Dieu soit béni pour sa fidélité. Autre chose, <laughs> Que Dieu soit béni. Alors bon courage frères et sœurs. Alors euh, nous vous donnons rendez-vous demain 20h30 heure de Paris et euh, et euh, voilà, donc on va essayer de régler quand même de, de régler le, le standard. Ce serait bien quand même qu'on puisse répondre aux questions téléphoniques parce que ça faisait quand même, ça faisait quand même longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais nous savons que vous êtes nombreux à être touchés, à aimer le Seigneur, à prier pour nous et nous prier également pour vous. Et euh, merci encore pour vos soutiens, mes amis. Ça nous permet de vraiment payer les factures, les charges, parce que ça nous coûte quand même beaucoup d'argent. Ça nous permet de soutenir aussi les frères et sœurs, les orphelins, les veuves et euh, les prisonniers et de diffuser aussi cette Bible, la Parole de Dieu, et massivement. Vous savez que nous avons 10 000 autres exemplaires à sortir de la Bible. Et merci en tout cas pour vos soutiens, pour vos prières. Nous en sommes, nous sommes très très reconnaissants vers le Seigneur. Est... Mais dès l'instant vous êtes chrétien, croyant en Christ, Yeshua, le Messie. Et craignant Dieu, nous sommes frères et sœurs, peu importe nos origines, peu importe la couleur de notre peau, nous sommes tous le même peuple, le même sang, le sang de Dieu qui coule en nous. Et que Dieu soit béni au nom de Yeshua. À demain, 20h30.